Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Enchanté de faire votre connaissance. Du haut de ses 60 cm, Nao a fière allure en 2013 dans les bras du président François Hollande. Nao, c'est lui. Créé en 2006, le petit robot d'Aldébaran est une star. La société française pionnière dans l'Hexagone depuis 2005 commercialise plus qu'une machine, c'est un compagnon au quotidien. C'est très impressionnant. Les robots d'Aldébaran sont tous des robots compagnons. C'est donc des robots qui sont créés pour être à vos côtés au quotidien. Ils ont quelque part quelque chose d'assez attachant. Et le design a été pensé pour que vous ayez envie de vraiment discuter avec eux. 7000 Nao sont utilisés aujourd'hui dans le monde. Le robot devient un professeur particulier de danse, de tai chi et même de mathématiques. Le niveau de jeu est moyen. On va utiliser uniquement les additions. Commençons par la première question. 38. Ça va rester vraiment un compagnon, un assistant, qui devient un outil en ce qui concerne l'éducation. C'est un outil pédagogique supplémentaire. Aldébaran surfe sur l'ère de la robotique, un thème qui fascine petits et grands, comme ses étudiants de l'École nationale supérieure de Paris. Au sein de leur club Hackens, les membres se questionnent sur l'évolution des machines dans notre société. Est-ce que les gens, est-ce que le grand public va accepter ces robots et va vouloir acheter des robots humanoïdes en particulier, qui leur ressembleraient? On ne peut pas forcément trop prévoir finalement ce qui va se passer, comment les gens vont réagir, si les gens vont les rejeter en masse. Mais, en fait, une des grandes questions, c'est que généralement les robots sont limités à ce qu'on leur apprend. Et on peut partir du principe que la personne qui va programmer le robot ne saura pas forcément plus qu'un professeur, sauf s'il est vraiment très bien programmé. En définitive, pas d'inquiétude à avoir. La science-fiction ne rattrapera pas la réalité. Les robots hollywoodiens ne sont pas pour demain. Et les machines resteront de simples outils. Je suis content de te voir ici. On se quitte comme ça.